ce derby Val-de-Marne entre l'US Créteil et l'US Ivry. Les Béliers sont sauvés. Ivry sera donc relégué la saison prochaine en Pro D2. Le Portugais qui évolue à la main. Absence de Léo Martinez. On arrive à trouver des solutions. C'est reparti pour le jeu avec une prise en stricte sur Boyba Sissoko. Mais on arrive par du petit jeu à trouver des solutions avec un lob tout en touché de Babic. Ante Babic, arrivé courant de saison en tant que joker médical. Sissoko, le bon service de Sissoko. Oh, avec cette petite gourmandise efficace d'Ante Babic. Regardez la roucoulette. Là, vraiment, il a cassé son poignet. Le ballon qui est parti à 1 mètre sur la droite avant de retrouver les buts grâce à l'effet. Et Châti hein, qui a montré de belles choses, hein, mais qui ne percute pas suffisamment. Davis en échec face à Mickaël Robin. En réussite face au Portugais. Moins sur le second ballon qui est revenu dans les mains d'Antonin Mohamed. Égalisation 14 partout. Avec Rigaud, Robin Molinier, Kervadec. Oh, le Kung Fu! Le ballon a circulé. Il y a eu de la créativité, de l'imagination avec cette belle conclusion de Kylian Rigaud. Pas mal de buts pour une première période. Molinier. Allez, avec, on pouvait s'y attendre hein, quand même des défenses hein, qui sont peut-être un petit peu plus permissives. Et ce but au buzzer de Robin Molinier. 18 à 16 pour Créteil. Allez, c'est parti pour cette deuxième période. Le coup de sifflet des Sœurs Bonaventura et l'engagement donné par les Cristoliens qui vont essayer de bonifier cette possession pour s'octroyer le plus gros écart de la partie. Avec cette dissuasion hein, de Guinel Pintor. Oh, on est tout proche de l'interception avec Javier Borragan. Ouais, dans une position pas évidente. Simène Petersen a réussi à tromper Dylan Soyer. Au passage sur le repli, peut-être involontairement, il a pris une main au visage, celle de David Jiménez. Ouais, c'est pas mal cette entreprise individuelle conclue par ce but. Antonin Mohamed, le débordement et derrière, il a réussi à se rééquilibrer avec le poignet pour venir inscrire ce but au premier poteau, 22-21. Sissoko avec le bon glissement de Valentin Hamann avec Boyba Sissoko qui était entré en deuxième pivot. Regardez Sissoko qui était là et finalement fonctionnera pas. Cavlouti avec Badi, ouais, bien fait l'accélération de Badi, le service impeccable pour Simon Hooms. Ah, rien pu faire, pas pu sauver ce but et empêcher de franchir la ligne Dylan Soyer. Ouais, Ferrandier, le petit numéro de Ferrandier qui a changé de rythme, qui a feinté de jouer avec ses partenaires et qui finalement s'est frayé un passage tout seul. 45e, 50e, on se précipite, c'est un petit peu décousu même s'il y a une jolie roucoulette exécutée par Adama Sako. Ta grève. Ouais, pas de Kung Fu au ballon gobé par Benezit. Et on va en rester là avec cette victoire de l'US Créteil qui s'adjuge ce derby Val-de-Marne 33 à 28. Alors on le savait avant cette rencontre, Créteil qui est sauvé pour la saison prochaine et qui évoluera en LNH pendant que Ivry sera en Pro D2 et on poursuit les hommages et la célébration à Mickaël Robin qui est porté en triomphe par tous ses partenaires qui lui ont offert une belle victoire ce soir, 33 à 28 pour Créteil.